Sinon, on peut partir aussi du cube et puis faire des épanelages par rapport à la sphère. C'est comme une boule à facettes, si vous voulez. Et plus on continue les facettes, plus on arrive à la sphère. Un cercle au départ, c'est un carré. Tronqué, c'est une succession de points, géométriquement parlant, un cercle. Hein, d'accord? Donc là, on fait le chanfrein qu'on fait ici, on le fait à ce moment-là en 3D. Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut, dans tous les cas. Hein. Donc ce qu'on va faire, j'ai amené les outils, on va en tracer une, en couper une. Même à la limite, là, c'est mettre un petit obstacle qu'on va peut-être faire passer. Les PNC, les brins organiques, on va avoir un peu de matériaux. Ouais, j'aime bien la modalité. Du coup, je pense qu'on va peut-être voir. Et justement, je pense que même du deux brins, ça ira largement pour tester avec un équivalent squat ou tennis. Mmh. Ah, là ça se linéarise, ouais. Et comme ça, on le coince dans la machine. On voit qu'elle... Voilà, t'as de quoi faire. T'as que ça. On a deux comme ça. On en a un autre. On peut faire des essais. Même des essais sur des bras assez courts, de façon à faire plusieurs essais de résistance. Il va falloir que vous répartissiez le boulot. Et qui est-ce qui ferait éventuellement des calculs de prédimensionnement, enfin, d'avoir une idée de l'énergie du boulet et des efforts un peu dans la machine. Sinon, enfin, ce qu'on disait la dernière fois, c'est de repartir de à quelle distance on veut l'envoyer, donc l'énergie qu'il faut transmettre. Mais il faudrait savoir qui prend ça en charge. Pour essayer d'aboutir à quoi, au couple à appliquer au niveau du ressort de torsion. Exactement. Okay. Et t'auras un coefficient d'élasticité là-dessus ou pas? Oui. Bah oui, normalement. Mmh. On a de quoi. L'année dernière, c'était trop court. Ouais. Et puis, le problème, c'est que quand c'est tressé, ça va... ça ne va pas se tendre immédiatement, c'est-à-dire avant qu'on sollicite vraiment la fibre. Et tu peux déjà tester ça avec les brins que tu as et les brins qu'on a en bas, pour faire des comparaisons. Les brins de... monofilaments de tennis. Et comme ça, on aura une fourchette de résultats qui sera intéressante. Là, si vous faites suivant, c'est qu'il vous calcule. Ouais. Non, mais de toute façon, les essais, ils sont tous indépendants. Mais il faut qu'ils soient réalisés avec les mêmes vitesses, enfin, un peu les mêmes caractéristiques. Tu tournes un petit truc comme ça. Oui, même sans noyer le nœud. Ouais, ça si le nœud, il a moins tendance à partir en... Ouais. Comme ça, ça nous permet d'avoir un truc qui est efficace, enfin, efficient pour fin décembre. Après, on sait vers quoi s'orienter pour le cordage. Il ne reste plus que les étudiants qui trouvent le nombre de cordes qu'il faut pour l'énergie. Il faut qu'on cale aussi le rendez-vous pour la giraudière. La balise sera construite à la giraudière, c'est-à-dire que logiquement, fin décembre, ils l'ont terminée. Ils pourront présenter leur travail aux apprentis et aux étudiants. Ça serait pas mal, quoi.
Et là. Oh, c'est beau. Tu regardes l'axe normal. Oui, tu ouais. Tu fais un tour, même pas. Ouais, regarde, c'est juste. Et t'as vu les brins, on a passé, je crois que c'était une facile. On est sur du chêne, bon ça ce sera. Là ça a été mis comme ça, mais c'était juste pour le démonstrateur. Hein. Là je pense qu'on est déjà trop dimensionné. Oui, oui. Là on est déjà trop. Ouais, je pense qu'on est entre ça et ça, à la rigueur, ça peut, en plus c'est déjà super résistant ça. Ça c'est déjà énorme, ça ira très bien.